Alors les impressions sur le championnat du monde, on va parler sur le plan sportif, ce qui va être très très bien. Nous on est satisfait en ce qui concerne le reining, on est satisfait parce que d'abord en ce qui concerne les structures, je vais parler simplement des structures sportives pour le reining. Pour nous c'est parfait, on a un manège de détente qui est excellent, un sol excellent et une carrière principale qui est vraiment au top avec quelqu'un qui sait vraiment faire les sols pour notre discipline. Les box sont super, donc nous on n'a rien à dire au sujet de la partie sportive pour les chevaux. Le reste, on ne va pas s'étaler là-dessus, on va en rester là. Par contre, concernant le sport, évidemment, je suis très content parce que on a une équipe de cavaliers qui s'est très très bien comportée. J'avais une équipe de cavaliers qui avait des cavaliers qui vivent aux États-Unis, trois cavaliers qui vivent aux États-Unis, des Français qui vivent aux États-Unis. Et c'était un peu le gros point de cette année. J'avais demandé à Sophie si on pouvait prendre des cavaliers qui ne vivaient pas en France, mais qui vivaient à l'extérieur. Sophie m'a dit, ben oui, si tu en as, pourquoi pas. Donc je lui ai dit, oui, effectivement, j'en ai quelques-uns. Donc on en a retenu trois. Ces trois-là ont rempli correctement leur contrat pour être sélectionnés. Mais je voulais pas non plus discréditer les cavaliers français qui travaillent depuis plusieurs années. Et je voulais pas qu'ils pensent qu'effectivement on allait prendre. Donc on a quand même fait en sorte qu'on a donné la chance aux cavaliers français de pouvoir se sélectionner. Et là on a réussi à avoir deux cavaliers français, Bastien et Axel. Axel, il était champion du monde junior l'année dernière. Tout au départ, j'étais un peu enflammé, j'avais dit oh, Axel, je vais l'emmener. Puis après j'avais dit bon peut-être pas, parce que ça va peut-être être dur pour lui, parce que champion du monde junior et puis les Jeux mondiaux, c'est quand même pas tout à fait le même niveau. Donc j'avais peur un petit peu de l'emmener dans un casse-pipe, vous voyez ce que je veux dire. Et le gamin, évidemment, il avait envie d'y aller. Alors on a réfléchi, j'ai pensé, on a dit oui, on a dit on le fait pas, on sait pas. Et puis au fur et à mesure du temps, vu comment je l'ai vu travailler, comment je l'ai vu évoluer cette année, on est allé le voir plusieurs fois. Le monde, il a un mental d'enfer, il a un super cheval. J'ai dit allez, je vais le prendre et puis je vais m'en servir un peu comme joker, quoi. C'est-à-dire que pas beaucoup de gens s'y attendaient et puis surtout pas beaucoup de gens s'y attendaient que je le mette dans l'équipe. Surtout ils pensaient qu'on allait l'emmener comme ça, c'était une expérience pour lui, on l'aurait mis dans l'indive et voilà. Et puis moi je m'étais dit non, je vais le mettre dans l'équipe parce qu'il a pour faire, et en plus je le mets en quatrième place, donc c'est pareil. On m'a dit, mais tu te rends compte, quatrième place, il va avoir toute la pression. Mais c'est un gamin, à la limite, plus il a de pression, mieux il est. Il aime ça, il aime partir, il aime le public. Si vous voulez, vous lui faites faire quelque chose où il n'y a presque personne, il ne va rien faire parce que c'est pas qu'il est... Vous voyez, il veut pas faire le frimeur, mais ça le motive, ça lui donne de l'envie d'y aller, de faire plaisir, de faire voir que le reining, c'est beau. Et donc je m'étais dit, je vais le mettre quatrième. Et puis, avec la stratégie de dire, c'est nos trois franco-américains, permettez-moi de les appeler comme ça, ils font bien, bah lui, il n'aura plus qu'à jouer en plus pour améliorer. Et si on a une petite défaillance dans un de nos trois franco-américains, bah, je compte sur lui pour aller à la guerre. Ils ont tous fait leur job. Ils sont sixième ex aequo avec l'Italie. C'est super. Et la finale individuelle ? La finale individuelle ? C'est très bien parce que Axel il y va. Excusez-moi. Je vais y arriver. Je suis tellement content de défendre ce sport. Ouais. Ouais, donc pour la finale, c'est super parce que Mathieu rentre directement en finale avec un très beau parcours. Ça a été dur pour Axel parce qu'il a été obligé de faire la consolante, ainsi que Glenn. Bon, Glenn, il rentre pas dans la finale, c'est un peu dommage, il était un petit peu en dessous. Mais Axel a fait un parcours dans la consolante qui est fantastique, il fait 2,22,5, c'est un super score. Et donc il rentre dans la finale et là, du coup, cette année, on a deux cavaliers en finale. Axel est rentré à la quatrième position avec son cheval, mais là c'est vrai que son cheval il est un petit peu fatigué, si vous voulez. Il a fait ce qu'on appelle la ronde de trop, il n'aurait pas dû faire la consolante. Mais bon, il l'a faite, il a bien fait, 2,22,5, c'est formidable, c'est sensationnel comme score. Là il fait 2,20, c'est encore très très bien, c'est honorable plus qu'honorable. Et moi je ne peux que les féliciter, tous les cavaliers français ont fait leur boulot, ont fait leur taf. On revient sixième en équipe. Deux cavaliers en finale, je ne connais pas encore vraiment les places, que ce n'est pas terminé, mais de toute façon, ça ne peut être que super.
On peut remercier la fédération de nous avoir fait confiance, d'avoir emmené ces cavaliers, d'avoir ce résultat. Depuis 10 ans qu'on travaille avec la fédération, avec le reining, on n'a fait qu'évoluer. À Caen l'année dernière, on en avait un, on était 10e en équipe, un cavalier en finale, la 6e, 2 cavaliers en finale. J'espère de tout mon cœur qu'il y aura d'autres Jeux mondiaux, parce que ça ira encore mieux, de mieux en mieux. Je vous remercie.